Yo guerrier, c'est Yano, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo qui va être très courte et qui est dédiée aux amateurs de musique hard. Tu sais que c'est mon cas si tu me suis depuis un moment. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, je voulais te présenter le label français Hardcore France Records qui est géré par DJ Messouille. Alors, si tu connais pas Messouille, c'est un DJ producteur qui a déjà une belle carrière. Il a mixé sur des grosses scènes, des festivals comme le Masters of Hardcore, entre autres. Et du coup, ce label met en avant différents artistes comme Mighty Spirits, Neko, JKLL par exemple, ou encore Sparks Lesson. Donc si t'aimes bien tout ce qui est hardcore, frenchcore et les styles hard un petit peu qui gravitent autour, comme hardtech, tribecore, même tout ce qui est raw ou même pourquoi pas des sons un peu indus, bref tout ce qui tourne autour du hardcore, ce label peut t'intéresser. Alors je te mets des liens dans la description sous cette vidéo pour trouver leur page Facebook et leur site. Donc voilà, comme ça tu pourras jeter un œil, découvrir des artistes, voir un petit peu comment ils gèrent également leur label, comment ils font la promotion. C'est toujours intéressant de regarder comment les labels communiquent. Ça peut te donner des idées pour toi également mettre en avant tes releases, que ce soit des singles, des albums, peu importe. Et comment gérer aussi des événements, parce qu'ils organisent des soirées. D'ailleurs, on voit par exemple ici, voilà, sous le nom de Hardcore France Invasion à Lyon, et enfin là en tout cas celle-ci est à Lyon, et voilà, je te laisse regarder à tête reposée. Donc ça c'est pour le côté label et donc promotion d'artistes. Ils ont également un magazine, alors attends, hop, j'essaie de, voilà, Hardcore France Mag. Donc pareil, tu auras le lien en description. Il parle du monde, de l'actualité, des musiques hard, donc les mêmes même style musique qu'on parlait avant, hein, de l'hardtech au hardcore, raw, etc. Donc tu as une partie actu comme ça pour te tenir informé chaque semaine de ce qui se passe un petit peu dans le game, donc les festivals, les progressions sur les différents artistes, un petit peu tout ce qui se passe dans le monde du hardcore. Tu as également des interviews d'artistes. Alors ça, c'est un truc intéressant. Je te conseille vraiment de lire un maximum d'interviews d'artistes. Ça peut être des DJ, des producteurs également. On peut avoir des interviews, alors pas forcément sur Hardcore France Mag, mais sur d'autres sites ou dans d'autres domaines, dans d'autres vidéos par exemple, sur des domaines qui sont un petit peu adjacents, pas forcément sur le côté artistique uniquement, ça peut être sur le mixage et le mastering. Tu peux regarder des interviews d'ingénieurs de mixage, de mastering pour en apprendre plus sur les aspects un peu techniques, ou également sur l'acoustique, etc. En tout cas, les interviews, c'est toujours une bonne façon de te mettre un petit peu dans la tête de la personne qui est interviewée. Et si c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a un gros niveau, qui est vraiment avancé dans son domaine, eh bien c'est toujours bien de lire des interviews pour voir un petit peu comment l'artiste s'y est pris pour progresser, pour se développer, pour se faire connaître. Voilà, je te conseille vraiment de lire un maximum d'interviews. Voilà, donc là tu as différents artistes. Sur leur site tu as également des reportages, donc c'est lié par exemple aux événements. Ça peut être des débriefs des événements, des festivals par exemple, et puis voilà, en gros pas mal d'actualités autour du hardcore. Donc je t'invite à jeter un petit coup d'œil à ce webzine et à ce label. Encore une fois, tu as les liens en description. N'hésite pas à dire aussi en commentaire ce que t'en penses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à très bientôt, ciao.